Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, welcome à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Nous allons jouer avec Pascal et Inès ce matin pour commencer. Elles viennent de Belgique, Inès est étudiante en langue germanique, Pascal est enseignante et elles joueront contre Luc et Frédéric. Frédéric vient de Marseillan dans l'Hérault, il est agent d'escale à Roissy. Luc vient de Lille et il est professeur d'anglais. Ça tombe bien puisque nous célébrons la semaine anglaise sur France Télévisions. Et pour présenter cette émission un petit peu spéciale, merci d'accueillir John Steed, Sir Thierry Beccaro. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Good morning everybody. Comme vous avez remarqué, notre tenue vous laisse imaginer que nous allons consacrer toute cette semaine au jubilé de la reine d'Angleterre. On n'a pas le même tailleur, nous. Hein. France 2. À l'heure anglaise pendant une semaine. Et donc, nous vous proposons un tournoi durant lequel vous allez certainement retrouver, en tout cas les candidats, et vous qui jouez régulièrement avec nous, quelques mots anglais qui sont évidemment acceptés et installés évidemment dans nos dictionnaires. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous appréciez le travail de nos décorateurs, de nos décoratrices, Michel, Olivia, qu'on va applaudir très fort. Voilà, Motus à l'heure anglaise. Vous appréciez aussi le travail. Très, très élégant. Magnifique. Hein, j'aurais pu faire un John Steed. Je vous sens pas. Je vous sens. Si. I'm fishing for compliments. Bon, en tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Donc, un tournoi qui nous emmènera jusqu'à vendredi et qui va permettre, évidemment, à l'équipe vainqueur de repartir avec pas mal d'argent. 5 000 euros. Voilà, ça c'est déjà la première chose. Je vais vous présenter nos candidats, à commencer par deux charmantes ladies, Inès et Pascal. Bonjour Inès. Bonjour Thierry. Alors, est-ce que l'anglais, ça vous sert dans votre vie de tous les jours? Oui, tout à fait. Je suis étudiante en langue germanique, donc anglais néerlandais, pour être professeur pour des élèves de 12 à 15 ans. Et vous venez de... Année. Vous venez de... Mons, en Belgique. En Belgique. Pascal vient également de Belgique. Bonjour Pascal. Bonjour Thierry. Where do you come from? Quiévrain. C'est pas mal quand même, non? Oui, bien. Ça a surpris plus d'un là. C'est quand même la base de la base, Thierry. Where do you come from? Bon, dis donc Bobby. Oui, c'est vrai, on n'avait pas parlé de ma tenue à moi. Ben oui, c'est la tenue du Bobby anglais. Le fameux Bobby anglais. Votre métier, Pascal ? Enseignante. Enseignante ? Oui. Et l'anglais, pour vous, pas plus que ça ? Pas plus que ça. Seulement... Mais vous allez vous débrouiller, je n'en doute pas un seul instant. Je vous présente Luc et Frédéric. Bonjour Luc. Bonjour Thierry. Alors Luc, normalement, l'anglais, c'est votre affaire. Ah oui, tout à fait. Je suis professeur d'anglais dans un collège du Nord. Mm-hmm. On en parle beaucoup du jubilé de la reine d'Angleterre. On en parle, oui, depuis quelques temps. Depuis février, hein, je crois que ça a commencé en février. Oui, oui, tout à fait. L'apothéose sur France 2, ce sera samedi avec Marie Drucker et Stéphane Bern pour une émission spéciale consacrée justement au jubilé avec une superbe parade. Enfin, vous verrez tout ça sur France 2. Et Frédéric, alors vous, l'anglais, jusqu'à un certain point, et puis après, vous avez lâché. Voilà, moi, j'ai fait la fac d'anglais, mais je ne suis pas allé jusqu'à la maîtrise. Je suis rentré dans une compagnie aérienne. Donc, je me sers, ça m'est quand même très utile chaque jour. Et vous êtes agent d'escale. Voilà. C'est bien ça, pour une célèbre compagnie qui n'est pas anglaise. Mais enfin, vous êtes le bienvenu quand même, Frédéric. Voici les grilles pour commencer cette partie. Voici pour vous la grille plus le numéro magique, qui sera pour vous le 37, Luc, Frédéric. Donc, si vous tombez dessus, ça vous permettra d'éviter au moins une boule noire. Pascal, Inès, même chose pour vous.
Et pour vous, le numéro magique, ce sera le numéro 70. Alors, on va reparler d'argent maintenant. Hein. On a parlé des 5000 euros que gagnera l'équipe vainqueur de ce grand tournoi spécial jubilé de la reine. Bobby, c'est ça? Bobby, bah écoutez, je vous confirme, Thierry, qu'il s'agit bien de 5000 euros qu'il y a gagné pour les gagnants en super partie, en finale du tournoi, en fin de semaine. Et puis, on s'approche de la fête des mères, il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, est-ce que vous auriez quelques cadeaux à nous proposer éventuellement? Bien sûr, Thierry, puisque les fleuristes Floradjet vous offrent un bouquet de fleurs originales livré directement chez vous. Faites-vous plaisir en toute occasion avec floradjet.com. Et faites surtout plaisir à votre petite maman. Voilà. Alors, bonne Thierry, chance. Excusez-moi, Thierry, une petite précision. Précision. Oui, ce sera dimanche avec Marie Drucker pardon, et Stéphane Baird, et non pas samedi. Dis donc, elle est formidable, la reine d'Angleterre. Elle est là, mais c'est elle qui me l'a dit, hein, Elisabeth. This is my friend Thierry Beccaro. He's really famous in France. He do motus, you know. Elle ne comprend pas. Il do. Qu'est-ce que ça veut dire, Idou? Idou motus. Idou motus. Il y a Luc qui a failli... Luc a failli tomber dans les vapes. Ah oui, parce I'm sorry, he does motus. He presents motus. Oui, oh là motus là. Is... Oui. Stop! Nous allons commencer, Luc. Et pendant toute cette semaine, nous cherchons des mots de 8 lettres. Je le précise, c'est vous qui allez commencer, donc Luc, avec la lettre F. Et évidemment, je vous dis good luck. Furoncle, F-U-R-O-N-C-L-E. Frottant, F-R-O-T-T-A-N-T. Français, F-R-A-N-C-A-I-S. Fiscal, F-I-S-C-A-L-E-S. Fauteuil, F-A-U-T-E-U-I-L. Faucille, F-A-U-C-I-L-L-E. Excellent. Voulez-vous mélanger, s'il vous plaît, Luc? Alors, votre numéro magique, c'est le 37. Hein. 41. 41. Frédéric. Oui. Le 11. C'est encore à Luc de jouer avec la lettre C. Coudray, C-O-U-D-R-A-I-E. Crèmerie, C-R-E-M-E-R-I-E. Constant, C-O-N-S-T-A-N-T. Comparer, C-O-M-P-A-R-E-E. Comparse, C-O-M-P-A-R-S-E. Good. Excellent, Luc. Voilà, la boule noire. On dit black boulet dans ces cas-là. Yes, ouais, the black ball. Et malheureusement, vous n'avez pas pris de numéro magique, donc ça ne sert strictement à rien. À tout à l'heure, Luc. Pascal, bonne chance. Voici la lettre Merci. T. Touaille. T-O-U-A-I-2-L-E. Teinture. T-E-I-N-T-U-R-E. Trouvant, T-R-O-U-V-A-N-T. Tombale, T-O-M-B-A-L-E-S. Triturer, T-R-I-T-U-R-E-R. Je ne l'ai pas.
Luc Trépigne. À mon avis, il a trouvé le mot. Voici la lettre U en lettre bonus. Turnover. T-U-R-N-O-V-E-R. Voilà, c'est un tournoi donc spécial jubilé de la reine d'Angleterre. Donc de temps en temps, vous trouverez comme ça des petits mots anglais. Des petits mots anglais. Mais qu'on trouve dans le dictionnaire français. Alors le turnover, c'est un changement, on va dire. Oui, c'est un roulement. Un roulement. Hein, ça s'emploie beaucoup, notamment en sport. Oui. Nicole qui adore le sport. Voilà, turnover. On pourra le confirmer. Allez-y, Luc. Là, on va procéder au turnover.